Et yo les gens, c'est Aura, j'espère que vous allez bien. Moi pour moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on est là pour un nouvel épisode de Far Cry. Et on est là donc j'avais tourné un épisode sauf qu'en fait mon logiciel de montage a crash et a corrompu ma fichier. Thanks to After Effects. Et donc en fait j'avais augmenté ma barre de vie à 6. Et en gros dans cet épisode là j'ai fait ça quoi, j'ai pris les tours etc. Et là il manquait un clocher. Et ce qui m'énerve c'est que en gros j'arrive pas à l'atteindre parce qu'il faut un hélicoptère. Et pour avoir l'hélicoptère, il faut une forteresse. Et la forteresse, on va faire celle de Yuma. Je bégaye, j'en ai marre. Donc on va aller, on va se taper là. Et on va aller prendre la forteresse de Yuma pour aller prendre le clocher. Donc je pense qu'on va faire que la forteresse dans cet épisode-là. Et puis dans le suivant, on va faire que... On va prendre le clocher et puis continuer l'histoire. Parce que le clocher, il est assez rapide à prendre. On se met tout en haut avec l'hélicoptère, puis on tombe, puis on a juste activé quoi. J'ai débloqué aussi une nouvelle arme, l'AMR, donc c'est un sniper grâce aux armes signatures, je vais vous montrer vite fait, à cause de, grâce aux avant-postes. Donc il est vraiment magnifique, et ensuite bon, c'est ça, avec le clocher. C'est avec les deux forteresses, donc on va aller faire la forteresse tout de suite. Bon, on va acheter des munitions, hop, voilà. 32 000 de munitions. Ouais mais chute toi. Donc voilà. Alors, on va aller directement à la forteresse de Yuma. Yuma qu'on a tué dans un ou deux épisodes précédents. J'aurais peut-être dû prendre des seringues. Je conduis. Ouais, non. C'était très chaud pour les acheter. Donc voilà. C'est un quad. Voilà, merci. Hop. Et on y go. On va à la forteresse de Yuma la prendre. Et puis. Non, pas Yuma, on la prend pas. C'est la forteresse qu'on prend. C'est un peu bizarre quand même de faire ça à un corps mort. Bref, passons. Non, bouge le Sherpa s'il te plaît. Voilà, donc encore 1200 mètres. 1000 mètres. On va y aller en mode fufu avec notre sniper. Le prédateur. Et puis comme on a toutes nos armes avec toutes nos munitions et comme Yuma est morte, la forteresse elle est plus affaiblie. Donc en fait en gros il y aura peut-être moins d'hommes et ce sera moins difficile. Donc on pourra directement la prendre. J'avais fait ça avec Doppler et Nour, les deux forteresses là, je les avais faites avant de les buter les gens. Et donc ce qui se passait c'est que en gros elles étaient en mode très difficile. Donc j'ai gagné beaucoup plus de pays et mec qui se croit dans LOL. Plus de roupies et de points d'XP en fait. Voilà. Il y a un messager, on va lui buter. On va faire l'exécution. Je mets toutes mes munitions à côté, ça ira pas. Oh putain, j'ai perdu toutes mes munitions à rien. Est-ce que je peux en récupérer des munitions? J'utilise vraiment toutes mes munitions, faut que. Pour la forteresse, j'ai rien à voir. Fonce, bouge, j'ai dit. Toi en route parce que si on prend la forteresse sans munitions c'est compliqué quoi. 225 points de karma, cool. Ensuite tu auras aussi dans l'arène monter niveau 10 pour débloquer une arme. Donc voilà, on fera ça sûrement dans un épisode annexe. Hop et hop, voilà. Bon, on est là, on va recharger. Alors je sais pas en quoi elle est affaiblie en fait, justement c'est ça que je me demande. Alors c'était mieux d'être par là, de l'autre côté parce qu'il y a des arbres, et c'est chiant les arbres. Et de 1. De 2. Alors je regarde où il y en a d'autres parce que... Les snipers c'est les plus chiants, ils font beaucoup plus de dégâts que les autres. On est dans un Fallen Kingdom les gens, ça y est. Je crève. Oh j'ai vraiment cru mourir là. Très sincèrement. Comment c'est un ennemi ça? C'est intéressant de voir que des alliés sont déjà passés par là. Ah, un grappin. C'est bon ça, c'est bon.
Ah, c'est cette forteresse-là qu'il y avait dans Halo 3. Je me rappelle. Il y a même un gars qui a pris un éléphant. Aïe. Ah là, c'est tendu. Bref, ça va aller. Est-ce qu'on l'a? Non, pas trop. On va péter les armes, les gens. La dernière, elle est où? C'est bon, il n'y a plus d'alarme. Donc normalement, on est safe. Il manque juste à recharger et trouver le reste des ennemis. Où est-ce qu'ils sont ces ennemis? Est-ce qu'il y en a encore? Sinon il y aurait eu l'animation. Oh, il y a le chien, ok, donc c'est le chien. Voilà. Excusez-moi pour PETA. Hein, d'avoir tué ce chien à la forteresse. Bon, en fait, ça aurait été plutôt simple. Ça aurait été vraiment simple, hein, cette forteresse. Ouais, les forteresses de. Les forteresses de. En tout cas, du conquis. Et cela, Human attaque conclu les avant-postes libérés dans la région. Ah, c'est intéressant, ça. On n'aura plus de rébellion. De reprise de. Du chien cri la cœur. Hop. Ensuite, on va aller. Coller. Ouais, non. Wait a minute, hein, please. Je ferai peut-être pas ça tout de suite. Bien joué, AJ. Avec Ratugadi, tu as pris presque toutes les forteresses de Pagan. Et maintenant que Yuma est morte, il aura du mal à garder le contrôle du Kirat. Voilà, en plus, comme c'est Amita qui est la chef du Kirat maintenant. Enfin, j'associe plus à elle qu'à sa balle, en fait, finalement. On va récupérer le coffre qui est en dessous. Voilà. On récupère pas mal de trucs. Et ensuite, on va aller chercher le clocher. En fait, tout sera dans cet épisode-là. Ah ouais, c'est plutôt efficace. Hop. Le clocher qui est là-haut. Comme la région est plus petite, en fait, les trajets sont plus courts. Regardez la région en fait en du nord, en fait elle est. Ah non non. Elle est légèrement plus grande. Légèrement plus grande. On a un petit peu de trajet. C'est un peu embêtant par contre ça, hein, sérieux. En plus il n'y a pas de conduite automatique donc. C'est vrai que c'est embêtant. Alors, là faut essayer de combler en fait. J'espère que vous allez bien, très sincèrement. On va aller prendre le dernier clocher pour débloquer la scie mécanique, donc c'est une des armes signature, je crois que c'est une des plus puissantes. Et donc le premier est à débloquer, puis après on ira faire la carte d'Amita, puis on va s'en faire. Alors j'espère que la qualité audio maintenant vous suffit parce que le micro est plutôt bon. Après je parle peut-être pas fort là, mais j'augmenterai le débit au montage. Et donc voilà. Alors 1300 mètres, on s'avance rapprochant. Hein, 1300 mètres là. Hop. Après c'est plus rapide en hélicoptère qu'en véhicule, hein, sincèrement. Puis directement là on pourra directement prendre directement prendre le clocher, on pourra pas monter tout le truc. Non, ce qui est dégoûtant, c'est que les fichiers ont été corrompus, donc
Ah, ça m'embête. Ça m'embête, ça, quand même. En 900 mètres. On y est bientôt, les gens. On y est bientôt. La quête à mi-temps, en fait, elle est derrière, donc. On sera sur le chemin. Donc, par contre, le trajet, franchement, c'est assez long. Hein. Je vais traiter une musique derrière, l'ambiance. De toute façon, le montage, je vais le faire directement après que j'ai tourné cet épisode. Mettre une petite musique d'ambiance sympathique comme dans les ascenseurs. Non, okay, non, une petite musique ça va être pas mal. Livre d'Odora, parce que. Alors, c'est un truc qui est énorme, c'est que j'ai encore des problèmes de copyright à cause des musiques du jeu. J'en ai marre, c'est parce qu'en fait, en gros, les musiques sont dans le jeu, mais on croit que je les rajoute au montage, donc ça m'énerve quoi. Hein. Ça m'énerve vraiment. Donc, vous allez voir, en fait, c'est très simple de prendre des avant-postes, hein. Des avant-postes autoradio. Faites ça. Voilà. Voilà comment on prend un avant-poste. Troisième, j'en ai marre. Et voilà, on a pris le clocher et vous allez voir, on a débloqué la nouvelle arme. On va reprendre le signal. Vas-y, Minami. Et voilà, on a les 17 clochers du jeu. Ça y est, enfin. Spécial 6 mécanique est maintenant disponible au comptoir et là on a débloqué l'arbalète même si on l'avait déjà. Et bon, on va plutôt cesser là. Quoique j'hésite. Ouais non, allez. On va faire la route jusqu'à Shamita et faire la quête. Alors j'ai 6 points de côté de compétences maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut. On va exécuter la grenade, hop. Maintenant j'augmente hein. Là il faut que j'ai les trucs de Shangri-La, mais j'ai un peu la flemme d'aller à Shangri-La. Viens. Tourne gyrocoptère. Je vais voir ce qu'il y a de devant. Ouais. Je galère là. Et normalement vous voyez que tout devient bon. Bon, la route est un peu longue, donc on va y aller en TP et en voiture. Puis voilà. Tiens, je vous montre aussi l'arme et vendre tout ce que j'ai. Elles vont toutes se faire exterminer. Hop, voilà, la scie mécanique. Alors l'arbalète j'ai déjà, donc c'est pour ça que arme spéciale. Et vous voyez la scie mécanique mitrailleuse légère. On croit peut-être que je la débloque. Elle ressemble à quoi? Ah oui, ah oui. Ah, elle est belle. Elle est belle. Quoique, alors les gens, je propose un truc. Autant débloquer les armes jusqu'au bout. On va aller faire les quêtes de... Comment il s'appelle? De Hurk. La dernière quête de Hurk. Comme ça, on aura débloqué le fusil à harpon, les gens. Les fusils à harpon, à ce qui paraît, fait très très mal. J'ai regardé des vidéos. Comme j'ai l'édition limitée, j'ai le truc de le DLC de Hurk. Et donc voilà. Alors si je saute, ouais, je vais plus vite. Légèrement plus vite. Hop. Alors je sais pas si maintenant ça met en 4K. Parce que mes rendus avec After Effects, ça met en 4K. J'ai cru qu'il allait m'écraser, très sincèrement. Les gens qui ratent. Ah non, je l'ai faite. J'ai déjà. Mec, tu vas bien rire. Je cherchais la dernière statue et... Tu t'es encore fait choper, c'est ça? Ah ouais, un peu. Genre bon, je me planque sur un camion pour trouver la statue, mais Bongo 2 pose des explosifs trop tôt. Là, je me retrouve coincé et le camion roule. Et je peux pas
bientôt t'es en marche, parce que je cherche toujours la statue au milieu de ces caisses. Et si jamais le chauffeur t'arrête, comme dans un film d'action. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh, ce sera toi le héros, tu t'es volé, non? Moi, je sais où trouver un mini hélico. Alors va chercher l'hélico. Attention, attention, comme dans les films, voilà. Est-ce qu'on peut la pousser la voiture parce que... Enfin, on est en 80 mètres donc. Ah. Ok, donc en fait on va y aller au sniper. Ah oui, il est là le gyrocoptère. Je viens de chercher. Oh mec, toi t'es vraiment trop génial. Je cherche toujours cette statue, mais n'oublie pas mec, faut pas que le camion s'arrête. Crève peut-être. On retire la figure pas grande. Merci. Et on retire. On prend ça. On relève cette... Ah, c'est bon. Ah, fallait. Clément est trop ralenti, explose. J'ai pas compris. Ah, faut que je le bute. Et que j'accélère. J'ai pas compris. On va recommencer. Hop. Et accélère demi. Je vois heure. Votre buzzer est trop loin. Le buzzer, c'est l'hélico? Attendez. Je comprends vraiment pas. Localiser le camion. On va tout faire. Je vois heure. Prenez un bobby bag à côté de vous, c'est sûr. Mec, le chauffeur cause à la radio. C'est bon, t'as trouvé la statue? Pas encore, mec. C'est héros, ma poule. C'était une action, une belle action. Que je roule vite en plus. C'est un de mes défauts, j'aime bien rouler vite. Parce que vous voulez, ça va nous sauter. Ouh. Accélère un poil, défus ! Tomber d'un camion. Ça me rappelle des trucs. C'est chaud par contre avec les fûts. Non. Vous voulez que je fasse comment là? Ok, plus vite. Je suis bloqué. J'ai pas compris, enfin je suis bloqué, ok, mais comment je fais pour revenir? Bon, on recommence encore. J'espère que c'est pas depuis le début. Non, c'est pas depuis le début. Accélère, accélère, camion mort. Non, c'est bon. Ah si, je recommence, c'est presque le début. Oh punaise, j'aime pas les missions comme ça. Faut pas accélérer.
des fûts. Tomber d'un camion, ça me rappelle des trucs. Là, je voulais couper, mais non. Un geste, la synergie. Voilà. On prend le checkpoint. C'est bon, on a le checkpoint. J'espère que c'est un checkpoint, hein, parce que sinon, ça fait mal. C'est une des parties les plus dures, je pense, là. Mais je comprends qu'il y ait de l'explosif dedans, mais puis, enfin... Yo, à 12h! Visez le moteur! Continue. Je sais pas comment je fais, je sais pas si je peux accélérer pas mal. Ah, c'est... Please. Non, je pensais pas que je pensais pas que je pouvais les écraser. Putain, vitesse minimale. Ah, please. Un éléphant. C'est bon. Allez, je débloque un achievement. Chien écrasé. J'ai failli se foncer dans le mur, les gens. Je l'ai trouvé. Saute maintenant. Bon, allez, est-ce qu'on a fini? Oui, on a fini. Hé, hey, mon poteau! J'ai la troisième statue, mec! Le dieu des singes, il peut que nous pardonner maintenant! Tu vas devoir nous pardonner, dieu des singes! Nous? Ah ouais, nous, mec, les frères tatoués ne font qu'un! Mais d'où ça vient, cette histoire? On est liés par l'encre. Eh, j'ai pas de tatouage. Liés par le sang, mec! J'ai un tatouage pour moi et Jason. Un tatouage pour moi et Jack, et je réserve mon dos pour mon pote AJ, mec! Les 3G, c'est sérieux! Eh ouais! Mon nom commence par... Ah, des détails, d'accord. Des détails. Bon, ouais. Hey. Un tatouage pour Jason, donc. Lui a fait partie de Far Cry 3 aussi, d'accord. T'es mon personnage de Far Cry 3. Bonne chance. Je vais en avoir besoin. Merci. Est-ce qu'on a le fusil à harpon, les gens? Une impression familière. Attention, est-ce que nous l'avons? Non. Bah non, on n'a pas le fusil à harpon. Et bon, on va se tasser là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis voilà. Allez, à plus au monde.